Vous, attention, attention, c'est parti pour les conseils pas chers et une journée un petit peu fraîche ce matin. Et attention au gastro, c'est pas une gastro que t'as, Romano? Non, c'est la fatigue. Il y a la fatigue et un trouble panique, peut-être, on nous dit aussi sur SMS là. Et attention, il y a beaucoup de gastro dans l'air. Encore des messages sur la gastro, méfie-toi quand même, hein. Moon Moonette qui nous laisse un message. Bon, bon réveil à vous et bonne journée à vous tous et à vous toutes. Et attention, les premiers conseils pas chers, c'est parti, on y va. Allez. Un conseil pas cher de ce vendredi matin. Père Noël, hein. C'est les conseils pas chers. 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 Et oui, les conseils pas chers avec le Père Noël et des annonces, mais alors des annonces de partout, et notamment sur le Bon Coin. Si t'allais faire un tour sur le Bon Coin, Romano. Eh ouais, le Bon Coin, Viva Street, les gens recherchent des Pères Noël pour le 24, pour le 25 décembre, et pour même avant, parce qu'il y a les arbres de Noël, genre dans les entreprises, les petites sociétés, tout ça. Donc, du travail en perspective pour ce mois de décembre et pour le Père Noël. Ah, très bien. Alors, le Père Noël, ah oui, c'est vrai, des annonces de partout. Bonjour. Bonjour, Père Noël. Ah oui, appelez-moi le soir uniquement. Il y en a qui parlent au Père Noël dans leurs annonces, c'est mignon, tout plein. Hein. Bah oui. Ah, une autre, bonjour, je recherche un Père Noël pour le 24 décembre dans l'idéal ou pour la semaine de Noël. Appelez-moi le matin avant 6h30 ou le soir après 17h. Eh bah allons-y. Tu l'as testé, Cédric? Ouais. Eh bah écoute, c'est super, ça dit bah, donc. Dis. Tu as testé Karine. Le Père Noël, Karine. Eh ben, le Père Noël est là ce matin sur Skyrock. Bonjour Père Noël. Comment vas-tu? Bonjour. Oh, qu'il est mignon. Je suis le Père Noël. Ça va faire super plaisir à Karine. Faut l'appeler avant 6h30, les 6h09. Eh ben, on y va, allez. Allô? Bonjour Karine. Allô? Oui. Bonjour, j'appelais pour la petite annonce pour le Père Noël. Oui, bonjour. Bonjour, je suis le Père Noël. Ça fait plus saut que le Père Noël, là. Ça fait plus saut? Ouais, le film d'horreur. Ah oui, tu vois, je vais faire autrement. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Là, ça fait pas Père Noël non plus. Oui, ça fait Patrick Sébastien un peu. Ah, c'est génial. Bon, alors, comment on fait? Moi, je peux venir faire le Père Noël, je parlerai pas si tu veux, je mettrai juste le costume. Après, faut voir le costume. Ah, bah non, bah, le costume, il est impeccable. Alors, dites-moi tout. Vous êtes disponible le 24 au soir à 9h, 9h30? Ah, bah parfait. Après, j'ai 2-3 autres réveillons à faire, mais je peux être chez vous à 9h, 9h30. Hein. Après, il faut juste qu'on se mette d'accord au niveau de la rémunération, surtout. Oui. Vous avez combien d'enfants, vous? 2 enfants. Et alors, combien vous aviez prévu comme sous? C'est plus à vous de me dire. Ah, bah là, 2 enfants, moi, je pars sur un tarif de 200 euros. C'est une blague, en fait. Ah non, pas du tout. Non, bah écoutez, j'ai mieux me fait chier un 24 décembre chez vous, ça vaut quand même, ça vaut bien 200 balles par personne. C'est une blague, j'entends rigoler derrière. Non, mais c'est les lutins, ils préparent les cadeaux. Ouais, bien sûr. Parce qu'il est équipé, il a un traîneau, il a des lutins, c'est pour ça que ça coûte si cher. Ah non, mais c'est une grosse mise en scène, hein, c'est un peu un show à l'américaine, oui, que je te propose. Comme des bœufs pour tirer ton traîneau. Ouais, je suis là, bœuf. C'est une radio? Non, pas du tout. C'est une radio, si, mais c'est une blague, c'est une voix que je connais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est la voix du Père Noël, c'est normal. Que ça dise quelque chose. Oh, je suis le Père Noël. Ah là, tu le connais, hein. En train de mourir. Oh, je vais crever. Ah bah il est vieux. Oh, oui, je vais mourir. C'est trop marrant. Bon, alors ce que je fais, chérie, c'est que j'arrive d'ici 10 minutes à quart d'heure. Ouais, vas-y, ok. J'arrive avec mon traîneau et on signe le contrat. Ok, pas de soucis. Eh bah tout de suite. Allez Cédric, il y a le traîneau à traîner. Allez, en avant. Skyrock. Ah bah voilà. Pas du tout. Parle de vache Cédric et tu reconnais. T'as vu Cédric, t'es trop célèbre. Ah bah grave, attends. Sérieusement, c'est Skyrock. Ah bah ouais. Bah ouais, la radio du Père Noël. Mais oui. Oh le Père Noël. Père Noël un peu amoché, mais la radio du Père Noël. Tu m'étonnes. Bon bah tu feras une bise à toute la famille, on va t'offrir un cadeau, tu quittes pas. Bah oui. Ok, ça marche. Gros bisous. Gros bisous. Je suis le Père Noël. Eh oui, la radio préférée du Père Noël, mais c'est Skyrock et les auditeurs de Skyrock vont fêter Noël. Oh, j'écoute Skyrock tous les matins dans mon traîneau. Eh ben Karine aussi, elle écoute Skyrock. Karine, qu'on a trouvé, on vous trouve partout les auditeurs de Skyrock, vous êtes partout, là, c'était sur le Bon Coin. Très bien pour ce beau conseil de Noël qui fait bien plaisir et des beaux cadeaux de Noël. Oh, écoutez, c'est la musique du Père Noël, c'est beau. Oh, cling. Bon, et sinon, ouais, les cadeaux de Noël, on vous les offrira tout à l'heure. Hein. PS4, Xbox One, l'iPhone 5S, la GoPro, l'iPad à gagner tout au long de cette matinée. Oh, mais c'est Noël! Et oui, c'est Noël. Et même les allers-retours au soleil qui arrivent dans un instant, là. Aller-retour au soleil à gagner sur Skyrock. Eh bah tiens, c'est juste après le son de Will.i.am et de Usher. C'est Oh My Gosh tout de suite. Skyrock, les conseils pas chers de Romano.
Même, ça va être fait lors d'une vente aux enchères. Je vous explique tout juste après mon générique, les conseils pas chers live. T'es sur le bon coin, Cédric? Ouais, c'est bon, je suis dessus, ouais. C'est bien. Bon, on est prêt pour les conseils pas chers. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. C'est les conseils pas chers. 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 Eh oui, vos conseils pas chers. Quel solo. Quelle voix. Alors, on est sur le bon coin ce matin. Ouais, c'est un spécial bon coin dans l'émission depuis 6h. Spécial bon coin avec au programme Romano, dis-nous. Alors, sur le bon coin, on a été chercher des gens qui cherchaient à acheter une voiture. Oui. Parce qu'il y a un Anglais qui s'est quand même bien fait chier. Mais bon, il l'a bien fait. Hein. Il a fabriqué une Batmobile. Vous savez, la voiture de Batman. Eh là. Oui, Batman. Oui. Batman, c'est lui, ouais. On l'entend derrière là. Oui, vous l'avez entendu. Batman. Je passe ce matin, il a un peu de voix de travesti, mais Batman, c'est lui. C'est lui. Alors, non mais le mec, il a bien fait ça, hein. La voiture, elle est homologuée pour rouler sur les routes. Il y a même un lance-flamme à l'arrière. Non, ça c'est bien pratique quand il y a un mec qui te colle par exemple. Ouais, c'est ça. Un coup de lance-flamme. Et dedans, il a mis un moteur de Jaguar avec boîte automatique. Ah ouais, quand même. Une automobile de fou, la Batmobile. Oui. Donc là, elle va être vendue aux enchères entre 83 000 et 107 000 euros. Ah, quand même. Quand même, ouais. Ouais, bien cher, ouais. Ouais. Et ce matin, je ne vous l'avais pas dit, mais Batman est avec nous. C'est pas possible. Il faut l'appeler. Batman. Écoutez-moi, la bande de débiles. Oui. Parce qu'en plus, il y croit. Il va descendre, on va le voir arriver, là. Oui, ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien, quand même. Signe le ciel. Bonjour, je suis Batman. Ah, tu vois, là. Oh, bravo, Batman. Oui. Est-ce que tu es prêt, Batman? Oh, je suis prêt à faire les conseils pas chers avec mon ami chauve Romano. Bien sûr, tu le connais depuis longtemps. Oh oui, mais il a toujours été chauve. Merci Batman. De rien Romano. Allez, je suis. On va acheter de voiture là, faut le faire sérieux, attention. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, bonjour. Je vous appelais pour la petite annonce là, pour concernant le véhicule. Oui. Vous êtes toujours à la recherche? Oui, oui. Ah, bah nickel. Parce que là, je suis avec un ami qui s'appelle Batman. Et je vais vous le passer, vous voyez, avec lui, il vend sa voiture. Non, mais moi je les récupère gratuitement. Ah ouais, bah non, bon, faut pas faire, l'ami. Hein. Là, voilà. je crois que, comme on dit chez moi, t'as vu la Vierge, man. C'est pas grave. Non, mais ça va pas le faire. Ah non, parce que moi je voulais t'en fourguer une. Ça te dit pas, là? Ouais. Eh, franchement, c'est une bonne affaire, hein. Je te fais un bon prix. Ouais, c'est quoi? C'est la Batmobile de Batman. Je te le passe, il est avec moi. Bonjour. Ouais, bonjour, c'est Batman. Tu connais Sarah? Comment? Tu connais Sarah? Non, bah, c'est Batman. Non, parce que ça raccroche. Oh. Ah oui. Eh, c'est il bien. Il est très drôle. Il y a de la vanne. Eh, c'est bien d'être tombé sur quelqu'un de bonne humeur, moi j'adore ça. Oui, mais je suis Batman. Oui, mais t'as pas vendu de voiture, Batman. Non, je n'ai pas réussi à vendre ma Batmobile. Un autre, s'il allez, vous plaît. Vas-y. T'as d'autres annonces, Cédric? Ouais, là, c'est bon. Allez, Batman, on y va. Allez, là, c'est bon, c'est parti. Oui. Allô? Oui, bonjour, mademoiselle. Oui. Oui, bonjour, je vous appelais pour la petite annonce que vous avez mise sur Internet pour la voiture. Oui. Vous recherchez une voiture? Non, c'est trop tard. Ah, vous en avez trouvé une? Oui, j'en ai trouvé une hier soir. Ah, vous l'avez acheté, ça y est, c'est fait? Hier soir, oui, pas de chance. Bon. Ah ouais, là j'arrive limite trop tard parce que j'étais avec Batman. Ouais. Batman, il vend sa Batmobile. D'accord. Ouais, donc je voulais te la proposer. Bah, attends, ce que je te propose, c'est une guide-page, je te passe Batman. Bonjour, je suis Batman. Allô? N'aie pas peur, je suis Batman. Non, j'ai la tête en bas. Allô? Oui. Oui, je suis Batman. Dis bonjour à Batman. Bonjour. J'ai ma Batmobile, elle est à vendre. Parce que celle-là, c'est la crise, je galère un peu, donc je vends ma Batmobile. Moteur de Jaguar dedans quand même, hein. La classe. Ah ouais, mais non. Est-ce que je peux passer te voir avec la Batmobile? Non, merci. Je suis sûr que tu vas craquer et que tu vas me la prendre directement et tu n'achèteras plus l'autre. Oui, mais non. Ah, elle est superbe, fashion et tout. J'ai fait du tuning à mort dessus. D'accord. Bon. Ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Oh, allez, je vais passer quand même ce matin. Je te fais un petit tour gratuit. Ouais, bon, allez, si tu veux. Allez, un petit tour gratuit à 10 euros. C'est parfait. Eh ben, j'arrive d'ici 5-10 minutes.
D'accord, pas de soucis. Bah, je descends du plafond là et j'arrive. A tout de suite, beauté. D'accord, c'est Batman te salue. Voilà. Mais on voit, voilà. Oui, elle est contente en plus. Et j'ai cru. C'est bien. T'as pas réussi à vendre une voiture, mais t'as quand même eu l'idée de lui faire faire un tour de ta Batmobile. C'est super, Batman. Eh oui, je suis Batman, la chauve-souris, comme Romano. Oui, parce que Romano, il est chauve et comme il est content tous les matins, il sourit. Il est un peu con, en fait, ce Batman. Oui. Allez, 7h16. Dans un instant, on vous offre vos cadeaux de Noël. Et oui, PS4, Xbox One, iPhone 5S. C'est ce qu'on va écouter dans un instant. Ah, cool. Allez, vous êtes là à nous l'avoir rappelé. Laura, tu nous avais promis un bon vieux Eminem. Il arrive, le bon vieux Eminem. Ce sera juste après les conseils pas chers. Minute poupée. Laissez rentrer l'économiste en chef. Oui, c'est moi, monsieur Lapince. Oui, avec de nouvelles idées pour gagner de l'argent. Et une journée spéciale aujourd'hui. Je vous explique tout. On chante avant. Allez. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Allez, à moi maintenant. Vas-y. Ah, mais. Les conseils pas chers. Voilà, ouais, ben voilà, t'as foiré. Et voilà. Bon, bah, c'est pas moi qui ai foiré. Qui c'est qui a pas chanté, ouais, moi c'est Romano. C'est ta faute. Je suis l'artiste, fais ce que je veux. Bon. Alors, c'est les conseils pas chers. Alors, aujourd'hui et demain. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est la journée mondiale sans achat. Ah, ça doit te plaire, ça. Ouais, c'est bien. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est bien. C'est interdit. C'est interdit d'acheter. D'acheter. Ouais. Et demain, c'est en Europe. C'est la Buy Nothing Day. Ouais, nous, on l'a fait tout le temps. Allez, on va faire. Manifestation non violente de boycott des achats pour protester contre le gaspillage et de la société de consommation. Si on suit les conseils de Romano, c'est tous les jours pour nous la journée. Ouais, l'année sans achat. Ouais, l'année sans achat. Alors là, on va partir chez les commerçants. Je vais leur dire que je suis un client régulier. Aujourd'hui, c'est la journée sans achat. Oui. Ah ouais. Je crois que je vais galérer à le dire, ce truc. Ouais. En américain, c'est plus facile. C'est le Buy Nothing Day. Ouais, je suis pas sûr que je comprenne. Parce que moi-même, je ne l'avais pas compris au début. Ah, le Buy Nothing Day, le achète rien day. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Le jour du sans achat. Oui, c'est ça, la journée sans achat. C'est à peu près pareil. Et donc là je pars chez des commerçants. Je suis un client régulier et je vais aujourd'hui gratter quelque chose de gratuit pas cher. Donc des boulangeries, des épiceries. Ouais, les commerces. Allez, c'est allez, parti. Une boulange. C'est parti, bonne chance Romano pour cette journée. Bonjour, sans bonjour. Achat. Oui, bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui, dites voir, j'écoutais la radio ce matin. J'ai entendu dire que c'était la journée mondiale sans achat. Et vu que je viens régulièrement dans votre boulangerie acheter votre bon pain et des petites pâtisseries, je me suis dit qu'aujourd'hui, vu que c'est la journée mondiale sans achat, vous alliez m'offrir quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, c'est Monsieur Lapin, ce truc. Je vous remercie pour le truc. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, la journée mondiale sans achat, c'est aujourd'hui et demain. Ah ouais? Donc, j'allais faire mes courses alors dans les grandes surfaces. Ah ben moi j'ai fait ça, hein. Je vais y passer après. Mais d'abord je passe par chez vous, j'aimerais prendre un bon petit déjeuner avec des bonnes baguettes, des bons croissants que vous allez m'offrir. Mais bien sûr. Ah ben alors, j'arrive dans 5-10 minutes. Eh ben on va voir avec la direction alors. Ah ben on va voir avec ta direction, mais ça y est, c'est tout vu. Voilà, moi je prends pas d'initiative. Hein, non, mais ce que je fais, c'est que quand vous vous retournez pour prendre un truc derrière, je me servirai dans la vitrine, comme ça. Mais bien sûr, voyons. Vous direz que vous n'aurez rien vu, il n'y a pas de caméra. Si, on est très filmé. Si, ouais, si, bah si. C'est pas grave, je mettrai une cagoule. Ah. Il fait froid en plus. Ni vu ni connu. Je mets une cagoule, hop, je passe ma main derrière la vitrine, je pense qu'il me faut et je pars, ni vu ni connu. Mais mettez des gants pour pas laisser des empreintes digitales quand même. Hein, ah, merci du conseil. Hein, voilà, tant qu'à faire, je sais pas. Bon, bah, voilà. Écoutez, j'arrive dans 10 minutes, un quart d'heure, voilà, je vous préviens. Hein. Ok, d'accord. Vous prenez pas peur, j'arrive avec ma cagoule. Et tes gants. À tout à l'heure, beauté va. Et une invitation. Bisous. Oh, quel est séduisant. Je peux bien lui dire beauté, je vais gratter des trucs. La boulangerie était sympa, la dame. Ouais, sympa comme tout. Ouais. Bon, après la sympathique dame, on file chez qui? Chez le boucher. Ah, le boucher. Allez, on file chez le boucher, là, maintenant. Oui, allô? Allô, le boucher? Oui. Oui, bonjour, comment il va ce matin? Eh bien, il va bien, il est là. Ouais, ça va, nickel. Bon, d'Ivoire, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans achat. Oui. Ouais. Donc en fait, vu que je suis un client régulier, j'achète régulièrement de la bidoche chez toi, là. Ouais. Ouais, je me suis dit qu'aujourd'hui, tu t'allais bien me filer quelque chose gratuit. Oh, allez. Allez, chef. Au moins une merguez. Une merguez, j'en fais plus, quoi. Ah, t'en fais plus? Un pied de porc. C'est pas la saison des merguez. Ouais, un pied de porc. Un pied de cochon. Oui, je vais en recevoir tout à l'heure, si tu veux. Ah, bah, tu m'en mets deux de côté. Ouais, pour marcher. Eh, ouais, bah, voilà. Oui. C'est pas très pratique, mais bon, non, c'est mieux que rien. Ils arrivent vers quelle heure, là, les pieds de porc?
Ils arrivent vers quelle heure? Ils arrivent quand ils veulent, ils arrivent à pied. Ah, ils arrivent à pied, en courant. Bon, si je passe vers midi, tu m'en mets deux de côté, puis ça sera gratuit aujourd'hui. Hein. Ouais, d'accord. Ah marche. Bah, nickel, bah, merci bien le boucher. Allez, bye. Eh bah, bisous à toi. Ouais, à bientôt. Eh, le frigo, il marche? Non, je l'ai éteint, là. Ah oui, bah sinon, il faut lui mettre des chaussures, s'il marche. Non, mais j'ai la porte ouverte, je l'ai éteint. Ah bah, nickel. Ah, c'est bien, ça va être bien frais. Bon, bah, à tout à l'heure pour les pieds de cochon. Ouais, ok. Merci, chef. Et un bout de boudin pour un copain. Oui, ou une saucisse, non, pour la copine. Non, plutôt un bout de boudin pour un copain, j'ai l'impression qu'il est en famille. Une saucisse pour la copine, plutôt. Allez, une saucisse pour la copine. Allez, allez. Hop. Avec grosse saucisse et les goulus, hein. Ouais, mais il n'y a pas de problème. On va faire à la demande. C'est gentil. Tu nous fais ça bien comme il faut, je passe tout à l'heure à midi, là. Ouais, ok. À tout à l'heure, chef. Super. Merci, le boucher. Hein. À bientôt, le boucher. Et hop là, voilà le travail. Les commerçants sont sympathiques ce matin. Et voilà, à la bouche. Ah, ce matin, le menu, c'est baguette et pied de porc. Bien. Délice. Et un bout de boudin. Bon, Cédric. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Romano, oui, pourquoi pas du con aussi. Oh.